Salut à tous, on se retrouve pour notre hebdomadaire émission Sans langue de bois sur Burkina Info avec quatre invités. Alassane Karama, il est de Sidoaya, Zongo de Burkina Info, Franck Aristide de Ouaga FM et Denis Zongrana de Radio Omega. Donc ce sont les quatre invités avec lesquels nous allons échanger sur deux sujets. Nous parlerons de ces inondations récurrentes dans la ville de Ouagadougou. Le ministre de la Santé a fait une conférence de presse pour parler de l'inondation qui a eu lieu au niveau de l'hôpital Yalgado. Le ministre de l'Urbanisme également a fait une autre conférence de presse. C'était la conférence de presse du gouvernement pour s'exprimer sur cette question. Avec les journalistes présents, nous essaierons de comprendre les raisons de ces inondations et si réellement on peut trouver des solutions pour que ces inondations qui sont récurrentes chaque année qu'on ne puisse plus les retrouver, si on peut le dire de cette façon. L'autre question sera relative à la commission constitutionnelle. On sait que le 14 juin dernier, le 14 avril dernier, le Conseil des ministres avait adopté un décret concernant la commission constitutionnelle. Lors du Conseil des ministres passé, le Conseil des ministres est revenu encore sur ce décret pour prendre en compte les préoccupations de l'opposition. Avec les journalistes présents, nous allons également décrypter ce sujet. Nous commençons donc par Alassane Karama. C'est vrai que les inondations, nous avons l'habitude de toutes les saisons hivernales, notamment l'hôpital Yalgado. C'est vrai, beaucoup de choses sont dites. Pour certains, c'est la question de l'urbanisme qui pose problème. Pour d'autres, c'est l'incivisme des populations. Finalement, on se demande quel est le vrai problème au niveau de l'hôpital Yalgado, selon vous? Bon, peut-être pas l'hôpital Yalgado seulement, il faut aller au-delà, parce qu'il y a quand même d'autres quartiers où les gens... Oui, mais c'est le symbole, effectivement, de tout ce qui se passe. C'est vrai, il y a des quartiers comme Dissigué et consorts. Mais c'est pour dire que, dans le fond, c'est forcément des responsabilités partagées. Parce qu'en toute chose, on va même parler aussi des dames nature, parce que, bon, il y a la quantité de pluie en la matière également qui peut, effectivement, aller au-delà. Donc, des attentes, ce qui peut également créer ces situations. Bon, il y a aussi les infrastructures justement pour l'écoulement de ces eaux de pluie là, qui ne sont pas toujours, en tout cas, suffisantes. Et lorsqu'il y en a également, il y a l'incivisme donc de ces populations qui peut donc contribuer à les boucher. Donc, de ce point de vue, forcément, j'estime quand même que les responsabilités sont partagées. Et parce qu'au Burkina, parce que ce qu'on ne peut pas imaginer, c'est quoi? C'est qu'au-delà du centre-ville, parce qu'il faut qu'il y ait ce processus d'écoulement-là, du centre-ville peut-être jusqu'au niveau donc, de tout ce qu'on peut avoir comme cours d'eau qui peut accueillir ce trop-plein d'eau. Donc si ce travail n'est pas fait, forcément qu'on va assister justement à un cycle donc, d'inondation dont les années vont se suivre et se ressembler. Et donc déjà, ce pourquoi on peut en tout cas lutter. C'est vrai qu'il y a eu ces temps-ci, hein, c'est quelques efforts, notamment même au sein de Yalgado, il y a eu en tout cas des constructions de quelques caniveaux, même si en tout cas les travaux, on sait, avaient pris plus de temps que prévu. Et également, ces derniers temps, cet effort également donc, de déguerpir ces personnes-là qui occupent d'une certaine façon ces espaces, ces cadres qui devraient permettre justement à ces eaux donc, de couler. Donc d'une façon ou d'une autre, je pense que ensemble, on peut travailler à juguler. Mais on ne peut pas dire qu'on va mettre fin aux inondations, parce que pour moi, d'abord, c'est un phénomène naturel. Et ensuite, ça dépend également de la situation géographique donc de toute structure, puisqu'il y en a déjà qui sont dans les lits pratiquement de barrages. Donc, que voulez-vous? On peut travailler à minimiser, mais en la matière, je ne crois pas que le risque zéro puisse exister. Ibrahim Zongo, c'est vrai ce que Karama dit, c'est un phénomène naturel, la pluie on ne peut pas l'arrêter, mais les humains peuvent développer des stratégies à travers des ouvrages pour permettre effectivement à cette eau de pluie qu'elle ne crée pas des inondations. C'est vrai, si on parle des quartiers périphériques, la question se pose parce que là-bas, les gens vous diront qu'il n'y a pas d'ouvrage, notamment des caniveaux et autres pour évacuer les eaux de pluie. Mais si on prend le cas de l'hôpital Yalgado, pour certains, il faut vraiment raser cet hôpital et reconstruire un autre hôpital. Pour d'autres, notamment le ministre de la Santé, on a vu des mesures qu'il a eu à prendre. Est-ce que vous pensez que ces mesures peuvent être efficaces?
des mesures, on ne peut pas dire que ce seraient des mesures très efficaces à partir du moment où on ne sait pas la quantité de pluie qui va tomber dans les jours ou les mois à venir. C'est un phénomène naturel, on ne sait pas quelle est la quantité d'eau qui va tomber. Mais les mesures qui seront prises d'un point de vue objectif, moi je pense que cela pourrait un tant soit peu réduire la quantité d'eau qui pourrait entrer au sein de l'hôpital même. Parce que quand on regarde la construction, aux abords de l'hôpital Yalgado et il n'y a pas de canal par lequel les eaux puissent passer. Alors qu'on sait que l'hôpital Yalgado Ouédraogo se trouve forcément dans une zone inondable et que toutes les eaux qui viennent du centre-ville coulent vers ce côté. Et donc, s'il n'y a pas de caniveau pour canaliser les eaux vers le parc Bangoego ou vers les deux barrages de Tangé, il est évident que l'eau stagne au niveau de l'hôpital. Donc, le fait que le ministre ait eu l'intuition ou disons le sens de faire des caniveaux, cela va un temps soit peu empêcher les eaux. Parce que quand on regarde les urgences, c'est en face de l'hôpital Yalgado, c'est à l'intérieur, mais les urgences font face à la porte de l'hôpital Yalgado et que c'est très souvent par là que les eaux passent pour entrer à l'intérieur. Et donc il faut creuser des caniveaux dans les deux sens pour permettre aux eaux de s'écouler. Quant aux sort de l'intérieur de l'hôpital même, et M. Karamal l'a dit, il y a des caniveaux à l'intérieur, même si ces caniveaux ne sont pas reliés forcément les uns aux autres, mais cela pourra un temps soit peu réduire. Donc moi je pense que ce sont des mesures dans l'immédiat qui sont importantes. Okay. C'est vrai, Franck Aristide, le mot caniveau est revenu à plusieurs reprises avec Ibrahim Zongo. C'est vrai, les premières victimes, si on peut le dire, ce sont les commerçants qui étaient au long de ce canal qui passe à côté du lycée Bordogo et puis du CNRST. Alors, est-ce que vous pensez que le fait de les décrépir, c'est déjà une bonne chose? Alors, on dira oui et non. Oui, peut-être que ça permettra évidemment aux techniciens en la matière de certainement élargir encore, en tout cas, ces canaux-là, ces caniveaux. Non, parce que justement, comme le disait M. Karama, le premier intervenant, les responsabilités sont en tout cas partagées à ce niveau. Il y a d'abord l'action humaine, il y a Dame Nature, et puis évidemment l'action humaine, encore on va revenir pour une deuxième fois, vous l'avez dit, l'incivisme, hein, parce qu'aujourd'hui, quand même si vous avez un caniveau, et puis dans ce caniveau-là, vous y déversez des déchets solides, naturellement il va sans dire que en tout cas ce qui ne devait pas en tout cas être situé pour ce caniveau là va forcément boucher ce caniveau. Donc à ce niveau les responsabilités sont limitées. Il faut peut-être déguerpir, il faut enlever, en tout cas faire partie les commerçants. Mais est-ce que dans l'immédiat, on va penser tout de suite, évidemment, à refaire ces canaux-là? Parce que certainement, quand on construisait l'hôpital Yalgado, c'était pour un certain nombre de populations. Aujourd'hui, la démographie est dense, donc la population s'est accrue forcément. Le nombre de déchets qu'on y déversait également s'est accru. Donc, en chassant certainement ces commerçants-là, il faut une autre action pour pouvoir justement pallier à cela. Mais revenant à ce qui est, en tout cas parlant de Dame Nature, que va-t-on faire? Parce que effectivement, l'hôpital Yalgado est situé entre, on va dire, en tout cas dans un creux, il y a les deux barrages de Tanguin et puis évidemment il y a le parc Bangreogo. Donc c'est dit forcément que ce n'est pas la seule action de déguerpissement des commerçants qui va être une solution palliative justement à ces, en tout cas à ces eaux qui inondent fortement chaque année justement l'hôpital Yalgado. Ok. Denis Zungrana, autre question. C'est vrai que les uns et les autres ont parlé de toutes ces eaux qui sont drainées dans la ville de Ouagadougou et qui convergent, si je peux le dire, vers l'hôpital Yalgado. Ça pose problème. On a vu le ministre de l'Habitat qui a parlé de l'urbanisation. On a l'impression que dans sa conférence de presse, il a voulu dire que désormais, il faudra respecter les règles d'urbanisation. Donc on peut comprendre que même dans la ville de Ouagadougou, les règles d'urbanisation n'ont pas été respectées. Ah ben justement, ça se voit déjà. On n'a pas de caniveau adéquat pour évacuer les eaux usées. Tantôt, Franck Aristide a si bien souligné aussi, on a un souci aussi avec justement les déchets qui sont déversés dans les quelques caniveaux que Ouagadougou a. Donc, dorénavant, donc, s'il y a des lotissements et tout, qu'on doit prendre tout cela en compte, c'est une bonne initiative. Mais concernant le cas de l'hôpital Yalgado Ouédraogo, ce qui est dommage, c'est que chaque année, il y a des inondations. Le gouvernement accourt
on a l'impression que c'est juste pour les caméras, qu'on vient prendre des mesures et tout, et après ça s'arrête là. Est-ce vraiment réfléchi pour voir dans le long terme, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Après 2009, Yalgado était inondé, on s'attendait concrètement à des actions qui pouvaient empêcher toute forme d'inondation encore par la suite. Mais comment se fait-il que ces commerçants étaient là depuis longtemps et c'est maintenant qu'on se rend compte qu'on doit les déguerpir parce que non, ils posent obstruction justement à l'écoulement de ces eaux de pluie. Et comment est-ce qu'Yalgado a pu bien être construit dans cette zone qui est une zone inondable? Donc finalement, on se pose la question, est-ce que nos dirigeants, d'alors au présent, espérons que ce présent en tout cas pourront prendre des décisions à but de prévenir ces types d'inondations dans le futur. Ok. Alors, carrément, c'est vrai, la question peut se poser de façon toute simple et intéressante d'ailleurs, c'est vrai. Vous n'êtes pas de la météo, mais l'hôpital Yalgado existe depuis belle lurette. Pourquoi c'est à partir de 2009 ces inondations ont commencé? Est-ce qu'à dire qu'il ne pleuvait pas assez ou bien vraiment il y avait un problème qui expliquait le fait que l'hôpital n'était pas inondé avant 2009? Bon, je ne suis pas très sûr qu'avant 2009, il n'avait pas le problème. Mais c'est peut-être la médiatisation aidant. Ah oui. Parce que je pense quand même que c'est assez... Oui, parce que 2009, c'était quand même exceptionnel. Donc, on s'est intéressé à tout ce qui est... Et depuis lors, c'est cyclique à Yalgado. Donc, il y a la médiatisation. Mais je ne suis pas très, très sûr que là-bas, il n'y avait pas ça. Parce que la situation... Mais oui, ce que vous dites, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que c'est à partir de... C'est réellement un problème de caniveaux? Parce que peut-être avant 2009, les caniveaux étaient larges et puis... Non, je ne crois pas que ça soit simplement un problème de caniveau. Parce que naturellement même, la position, la situation géographique de Yalgado est telle que, quand vous voyez, c'est un peu une pente qui descend en fait à l'intérieur de Yalgado. Oui, comme il l'a dit tantôt, c'est les urgences sont en face, donc là où l'eau rentre. Donc naturellement, là, de par même sa position déjà, c'est sûr que l'eau va rentrer. Maintenant, ça va dépendre d'abord et de la pluie et maintenant d'autres facteurs humains, notamment des caniveaux bouchés de gauche à droite. Donc ce que je veux dire, ce n'est pas sûr que ce soit un problème nouveau. Maintenant, quelle solution il faut avoir? Aujourd'hui, c'est vrai pour un palliatif, mais demain, pour une solution sur le long terme. Voilà. Mais sous l'ancien régime, je pense que l'ancien premier ministre, c'était Luc Adolphe Tshao, avait expliqué effectivement, c'est vrai, au début, tout le monde voulait qu'on déménage l'hôpital Yalgado, mais après, il y avait des difficultés. Ils se sont dit que c'est certains services simplement qui allaient déménager. Si. Bon, je pense que ça peut se comprendre. Si tout de suite, vous n'avez pas pu construire un hôpital ailleurs qui peut recevoir tous les services, il faut faire au fur et à mesure. Sinon, quand même, dans le temps, sur le long terme, il va falloir justement y arriver pour que, bon, au moins, d'abord, moderniser, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez au-delà même de l'inondation, on va dire que l'hôpital est dépassé, de par même l'état des bâtiments, l'état de délabrement. Et chaque fois, c'est des rénovations. Les rénovations ne suffisent pas. À un moment donné, il faut faire carrément du neuf pour éviter justement sur du solide, pour en tout cas envisager un hôpital véritablement donc de référence. Donc le problème de déménagement de l'hôpital, là, ça c'est un impératif. Peut-être pas dans l'immédiat, vu la modicité donc des moyens, mais il va falloir le faire progressivement pour qu'à la longue, bon, on est quand même l'hôpital ailleurs, dans un site beaucoup plus digne, et justement où les météorologues et autres génies, spécialistes donc de génie civil, là, pourront tout prévoir pour éviter justement ce que nous vivons aujourd'hui comme cauchemar. C'est vrai, Ibrahim Zongo, l'hôpital Yalgado, c'est vrai, c'est le symbole, les inondations de cet hôpital sont symboliques. Alors, si on parle de façon générale de la ville de Ouagadougou, on a des quartiers, notamment les quartiers périphériques, qui sont presque... chaque fois inondé, les populations ont les pieds dans l'eau. Est-ce que là-bas, on peut dire que la situation est différente de ce qui se passe à l'hôpital Yalgado? La situation n'est pas très différente, mais on peut le dire ainsi. Quand on prend des zones comme Binsguin, de prime abord, on sait que quand on parle de Binsguin, c'est un endroit inondable. C'est de la traduction du moré, c'est un endroit inondable. Et en plus, à Binsguin, ce sont des quartiers nouvellement créés et il n'y a pas assez de caniveaux dans ces endroits. Donc, il va de soi que la moindre pluie, l'eau passe partout où elle veut pour inonder les domiciles. Et si je quitte Yalgado et que je prends un endroit qui a été inondé tout récemment, la Direction générale des transports terrestres et maritimes, elle est située dans une zone identifiable à Yalgado. Mais tout dépend également de l'action humaine. L'étude préalable. Il y a de vrais caniveaux au niveau de la DGTTM. Il y a de vrais caniveaux aux abords de la DGTTM. On sait qu'il y a la commission de Liomoa aussi qui est là-bas. Mais le problème, c'est dans l'action humaine même. Il faut dire que dans la construction,
Des dispositions étaient prises pour éviter d'éventuelles inondations, mais l'action de l'homme, moi je prends par exemple un bureau où la DGTTM, où plus de 9000 dossiers de permis de quatre crises ont été inondés. Cela dépend de ceux qui occupent les locaux. Comment est-ce qu'on peut déposer des documents à terre, à même le sol, ou bien ranger dans des tiroirs qui sont à même le sol? Cela dépend de la responsabilité de tout un chacun. Et je pense que même si la nature doit jouer en défaveur, si la nature, la géographie, la situation géographique des différents endroits fait qu'il y a inondation, il faut aussi savoir y remédier. Et par exemple, on parle de déménagement de l'hôpital Yalgado-Ouédraogo. Il ne suffit pas de délocaliser l'hôpital pour résoudre le problème. Il faut aussi prendre en compte les mesures de sécurité pour éviter les inondations. On sait qu'il y a, dans le même endroit, dans le même espace, on a l'hôtel Silmandé, mais il n'y a pas d'inondation là-bas. Tout dépend de la manière qu'on construit les édifices. Et si vous prenez un quartier périphérique où il y a assez de maisons en banco, il va de soi que la moindre pluie, les maisons s'écroulent. Ok, c'est vrai, Franck Aristide, il y a quand même certaines choses un peu bizarres dans cette ville de Ouagadougou. Vous prenez un quartier comme Kalpa, là, pas loin de Ouaga 2000, mais il n'y a pas de caniveau. On a l'impression que ce sont des quartiers laissés à eux-mêmes. On prend même la cité Azimo, on ne trouve pas de caniveau. C'est quand même terrible dans une ville. Oui, assez paradoxal même, on va dire. Mais je pense que Ibrahim l'a dit, hein, la situation est partout la même, mais la particularité justement de l'hôpital Yalgado, c'est que c'est un symbole aujourd'hui pour le Burkina Faso. C'est, en termes donc de notoriété, c'est le plus grand hôpital au Burkina Faso. Donc il est vraiment écœurant, en tout cas pour ma part, de comprendre que cet hôpital-là aujourd'hui a beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés en termes aujourd'hui de découlement d'eau. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs cet hôpital-là est médiatisé. Vous l'avez dit, quand on prend le quartier comme Kapala, qui n'est pas en termes géographiques loin de Ouaga 2000, vous le savez, c'est un quartier moderne, c'est une cité véritablement. Et en tout cas, les dirigeants d'alors qui ont eu l'ingénieuse idée justement de créer cette cité-là ont mis tout en œuvre parce que justement il y avait un système qui était mis en place où dans un même pays ou dans une même ville, vous le savez, on a deux mondes carrément opposés. Un monde où de l'autre côté c'est l'opulence, c'est la vie, et puis de l'autre côté où on écrase pratiquement, on va dire, on écrase même les populations. Donc, comparaison n'est pas raison, mais malheureusement, c'est la triste réalité. Et revenant donc à la situation donc de l'hôpital Yalgado et à la comparaison avec justement la DGTTM, la Direction Générale, en tout cas de transport terrestre et maritime, c'est vrai, vous l'avez dit, il y a des caniveaux aux alentours donc de cette direction, mais est-ce que en aval justement l'action humaine n'a pas fait son travail? Si de l'autre côté, tout est obstrué, si tout est bouché, forcément, il va s'en dire que l'eau de ruissellement va revenir, en tout cas en amont. Donc forcément, l'eau va remonter et puis on va constater en tout cas ce à quoi on a assisté en début de semaine. C'est dommage, c'est assez malheureux, mais en tout cas, on assiste à cela, malheureusement, au risque de me répéter. Oui. Denis Ongrana, une chose est de demander des ouvrages au gouvernement central ou bien au gouvernement, à l'exécutif local comme la mairie, mais une autre chose est de respecter effectivement ces ouvrages. Alors, comme l'a dit Franck Aristide, on prend les cas des caniveaux où l'incivisme civil pour les populations, les caniveaux sont les lieux de dépotoir, c'est-à-dire sont des dépotoirs où on vient tout jeter. Comment faire, parce que nous sommes des journalistes, comment faire pour sensibiliser les populations pour qu'elles comprennent que les caniveaux ne sont pas des dépotoirs? Ben là, c'est vraiment dommage et malheureux qu'on puisse en arriver à sensibiliser. Je pense que chacun devrait me comprendre déjà. Quand on y jetant des ordures et tout, voilà, ça peut empêcher effectivement l'évacuation des eaux usées, causer les inondations. Je n'arrive pas, comment est-ce que certains n'arrivent pas à s'inculquer sur la matière? Est-il que, parlant de sensibilisation, là, c'est en dehors même des hommes de médias, mais il faut que tout le monde s'y mette, tant bien les premiers leaders du pays. Souvent, rapidement, on se dit que ce sont les commerçants et tout, mais il n'y a pas seulement que les commerçants. Ce qui est dommage aussi, c'est que l'État aussi ferme les yeux. C'est un bon nombre de choses, notamment certains, tel le cas qui a été décelé au niveau de l'hôpital Yalgado, des commerçants qui sont un peu éparpillés partout. Alors, au bord de certaines voies, rapidement, un commerce s'ouvre avec un kiosque en fer, on y dépose là.
Et rapidement, on ne se rend même pas compte que non, là où c'est positionné, il y a juste, c'est juste souvent aux côtés des carnivaux. Et la plupart des saletés que les commerçants réparent le soir, c'est là qu'on y déverse. Il faut que l'État soit un peu plus regardant pour justement ces types de commerces là aux abords des voies de ruissellement d'eau, qu'on puisse les empêcher de pouvoir s'installer. Tantôt, j'aimerais revenir sur le cas des quartiers périphériques, il y a des inondations. On a parlé tantôt du quartier bissien, mais là, il faut dire qu'il y a deux quartiers abyssiniens. Il y a le quartier Loti, la zone non Loti. Non Loti, tout simplement parce que cette zone est connue comme étant une zone inondable, à risque donc, à risque plutôt. Et la plupart des habitants ont eu plutôt des parcelles lors de lotissement pour qu'ils puissent quitter ces lieux-là. Mais malheureusement, on constate que c'est la plupart de ceux-là qui ont eu des parcelles auparavant vendent et viennent s'installer, espérant avoir encore des parcelles. Et finalement, chaque année, il y a des inondations et là, l'État vient encore aux côtés de ces mêmes personnes-là pour les soutenir en matière de vivre et tout, et voir si on peut trouver un logement. Bon, je trouve que c'en est trop. Voilà. Pourquoi ne pas mettre une machine carrément, et puis les quelques maisons qui sont là carrément tout raclées, et être assez ferme. C'est surtout ça. L'État n'est pas ferme. On laisse faire, et c'est quand ça pourrit qu'on cherche maintenant à trouver une solution au plus vite. Alors que non, c'est maintenant qu'il faut taper sur la table. L'inondation qui s'est déroulée en 2009, il y a ceux-là qui avaient des lieux d'habitation aux abords, des voile au niveau le canal de Nemnes, si je ne me trompe pas, non loin de la cité en deux. Alors, ceux-là qui sont installés là, c'est une zone à risque. Et normalement, personne ne doit s'installer aux abords de ces voies. Juste après l'inondation en 2009, beaucoup aussi ont eu des parcelles à Yagma. Et par la suite, ils ont venu, sont réunis, s'installer encore là. Et les autorités, voyant ces derniers venir s'installer, au lieu de taper sur la table, venir rapidement, les dire non pour ne pas vous installer là, non, on laisse faire. Et encore, ceux-là seront encore victimes. On va crier encore à l'État de venir encore les secourir, l'État ne fait rien et tout. Effectivement, l'État ne fait rien puisque l'État laisse faire. Donc, je trouve que l'État doit demeurer ferme, regardant ces points-là. Ceux qui sont dans les zones inondables, qu'on puisse les dire non, plutôt même pas les dire parce qu'ils le savent pour la plupart, mais être assez ferme. Cette année, votre maison s'écroule. L'année prochaine, vous êtes encore là, vous êtes toujours là pendant 5-6 ans. Eh bien, là, je trouve que c'est souvent la mauvaise foi. Le tout le temps rester dans une station qui est inondable, espère avoir une parcelle. En sachant que là où on est installé, ce n'est pas une bonne zone. Donc, il faut que l'État soit ferme par moment. D'accord. Donc, avec ce premier sujet, on l'évacue pour le second sujet. Comme je le disais, nous parlons de la commission constitutionnelle. Nous sommes qu'au stade du décret. Oui, Denis Zungrana, c'est vrai que certains leaders des partis politiques de la mouvance avaient trouvé la décision de l'opposition qui avait émis certaines réserves sur le décret. Ils avaient dit que l'opposition était irresponsable, selon vous. Oui, je pense qu'à ce niveau-là, c'est responsable de partis politiques. Disons, n'ont pas pris le temps réellement de prendre connaissance des protestations même, du fondement des protestations même de l'opposition avant de se prononcer. Parce que de l'avis de certains experts, qui ne sont pas forcément des hommes politiques, ont eu à dire qu'effectivement, au vu du décret présenté que tel, en ce qui concerne la commission constitutionnelle, effectivement, ce décret souffrait. Voilà, il y avait des limites, en la matière notamment, n'était pas en conformité avec les recommandations des textes de l'Union africaine et aussi même de l'espace EDAO. Donc il y avait lieu, effectivement, de revoir ce décret-là. Bon, je pense que ceux-là qui ont traité l'opposition d'irresponsable ne sont pas aussi bien penchés effectivement sur ces petits soucis-là. Donc je pense que le président Kabore, en revenant, bien sûr en prenant en compte les préoccupations de l'opposition, fait bien et suit la voie de la sagesse. Voilà, parce que là, ça évite effectivement que l'opposition aussi, qui apparemment était vraiment décidée à retirer ses membres de la commission constitutionnelle, n'exécute sa menace et que ça ne joue bien sûr sur les travaux de la commission constitutionnelle. Et même ça va entacher aussi sur ce régime Kabore, parce qu'on dirait que ça débute mal. Un projet aussi important pour le pays et même qui va rester dans l'histoire du pays, vu qu'on va passer, si bien sûr les choses se passent comme sur des roulettes, à une 5e République. Donc ça va entacher naturellement, bien sûr, le président Roch Kabore dans ce décret qui souffre et qui fait preuve d'amateurisme. Voilà, parce que réellement tous les contours n'ont pas été pris en compte. Donc il fait bien. Ici, d'aucuns diront qu'il s'est rabaissé. Voilà, donc dans d'autres sujets, on aurait vu un président qui allait de rester toujours sur sa logique parce que pour lui, le décret ne souffre d'aucun problème, donc il faut y aller. Mais ici, le président Kabore fait preuve réellement de sagesse. Il ne se rabaisse pas, mais là, il fait réellement le bon choix pour le pays.
Okay. C'est vrai, Karama, tout de suite, vous avez émis quelques réserves sur le futur contenu des travaux de cette commission constitutionnelle, parce qu'on sait que cette commission constitutionnelle elle a 60 jours pour déposer un avant-projet de loi qui partira à l'Assemblée nationale. Ils sont 92 membres. C'est vrai, les Burkinabés attendent de savoir le contenu des travaux. Et donc, vous pensez que le contenu des travaux, il peut avoir aussi de petits accrochages. Est-ce que déjà vous avez des sujets sur lesquels vous voyez que ça risque d'être difficile? Bon, dans l'immédiat, de toute façon, hein, comme le mot donc d'adoption sera peut-être le consensus avec donc le décret revu, donc à mon sens, tout ce qu'il peut y avoir comme petit inhérent hein, à des structures de ce genre, parce que les gens forcément n'ont pas donc la même vision, et même si on rentre dans les questions politiques, en matière de vision politique et autres, ils n'ont pas forcément, les visions ne convergent pas toujours. Donc, il faut travailler effectivement à planer les choses. Pour maintenant, de prime abord, la question qui vient, est-ce que peut-être la question de la justice peut constituer un point d'achoppement, je ne sais pas, au vu donc, des dernières déclarations qu'on a pu voir, donc, que ce soit du président du FASO ou du président de l'Assemblée nationale, on ne sait pas s'il faut aller justement à cette indépendance pleine de la justice. Ou bien il faut toujours permettre en tout cas d'avoir un peu plus un droit de regard. Je pense que ça, quand même, ça peut constituer un point quand même d'achoppement. Donc, dans l'immédiat, c'est ce que je vois. C'est ce que Oui. je vois Mais comme point normalement, de Caraba, regard. ça ne devait pas poser, parce que dans la Constitution, on sait que, bon, de toute façon, on sait que c'est le président qui est le garant de l'indépendance de la justice, et on sait que sur une année, il a au moins une rencontre avec les acteurs de la justice. Donc, dans les normes sur ce plan, même s'il y a une déconnexion, c'est-à-dire qu'il pourra toujours échanger avec les acteurs de la justice, ne serait-ce qu'une fois par an. Bon, peut-être que lui, son inquiétude, est-ce que les acteurs de la justice ont compris les choses de la sorte? Parce que c'est ça, parce que quand vous suivez un peu ses déclarations, il est un peu étonné. Lorsqu'il veut ne serait-ce que savoir comment évoluent les choses, on estime qu'on n'a pas de compte à lui rendre. Voilà, donc vu déjà, et comment certains commencent à jouir de cette indépendance, peut-être que cela a pu susciter des inquiétudes à son niveau. Donc, s'il estime effectivement qu'il y a lieu, ne trouve pas forcément en termes d'immixtion, mais créer peut-être un droit de regard quelque part. Bon, c'est libre à lui donc de faire cette proposition. Maintenant, je ne suis pas très très sûr que d'autres partisans certainement donc de cette justice libre-là vont adhérer. Parce que moi, ma position sur la question est très claire. Hein. Je suis d'accord, il faut aller, il faut suivre du moins ce que font les autres ailleurs, mais est-ce que nous avons en la matière le même degré de maturité? Je ne suis pas très très sûr. C'est d'ailleurs la démocratie, quand on calque simplement sur ce qui se passe ailleurs, alors que nous n'avons pas les mêmes, en termes de maturité politique, ne sont pas du tout au même niveau, forcément ça pose problème. On a vu tout ce qui s'est passé ici avec les élections. Donc s'il y a lieu en tout cas d'aller progressivement, moi ça ne va pas du tout me déranger. Mais bon, donner une indépendance qui rapidement, même les citoyens risquent de regretter dans les minutes qui vont suivre, il s'agit quand même de passer à une nouvelle république avec une constitution. Donc il ne s'agira pas tout de suite de revenir dès le lendemain pour vouloir élire quoi que ce soit. Je pense que c'était la réflexion à mener. Bon, les acteurs, il y en a en tout cas de toutes les colorations. Et ça, d'ailleurs, je pense que c'est important, même s'il y en a qui estiment que c'est beaucoup. Mais pour moi, l'avantage là, c'est que toutes les couches de cette population burkinabé là sont représentées. Donc, à travers donc, les représentants, bon, les débats seront menés et on va se plier à Oui. ce qui sera proposé. Et puis bon, Vous parlez de si la justice. C'est éventuellement ça vrai arrête. qu'on sait que la justice militaire ne fait pas partie du conseil du CSM. Donc on dit que c'est une juridiction d'exception. Est-ce qu'on peut penser que pour passer à la cinquième, en passant à la cinquième République, on pourra souhaiter la justice militaire qui ne va plus exister d'ailleurs? Bon, Ou je bien, pense que compte tenu du dossier du putsch, c'est-à-dire que la justice les militaire risque de acteurs, rester. voilà, les acteurs vont en décider. Hein, et comme vous l'avez dit tantôt, il y a quand même des dossiers inhérents justement à cette justice. Est-ce qu'on va devoir les reverser pour que les autres puissent le faire? Je ne sais pas. Hein. Et puis, est-ce que les autres sont prêts actuellement à gérer les questions judiciaires? Je ne sais, et du moins de justice Concernant, militaire? voilà. Bon, je ne suis pas très très sûr. Donc, pour moi, en tout cas, toujours est-il que ce n'est pas la peine de confondre vitesse et précipitation en la matière. Bon, même si c'est une justice, à un moment donné, on estime qu'elle n'est plus nécessaire, bon, il va falloir y aller. Mais pour le moment, il y a quand même des dossiers en instance.
Est-ce que la justice civile militaire, est prête on ne la à voit que quand il y a des tentatives de coup d'État, ça veut dire que nous sommes dans un État. S'il n'y a plus de coup d'État, il n'aura même plus. Non, non, pas simplement ça. Pas simplement ça. Parce que ça dépend. Il y a des affaires lorsqu'il y a des militaires qui sont impliqués, oui, qui doivent être jugés justement devant. Oui, donc c'est pas la même chose. Hein. Parce que c'est pas la non. même chose. Oui, mais c'est pas la même chose. Mais dans les pays où il n'existe pas de justice militaire, peut-être qu'il y a d'autres solutions. Il y a d'autres situations. Forcément, avec la justice. Dans d'autres situations précisément, oui, nous ne sommes pas à ce niveau. Comme le disait Alassane Karama tout de suite, il ne faudra pas comparer, transposer ce qui se passe ailleurs au Burkina Faso parce que nous n'avons pas les mêmes conditions de travail. Nous n'avons pas encore le même niveau de démocratie. Nous sommes un état de démocratie qui est en voie de construction. Donc il faut aller progressivement, vouloir rassembler les choses ou bien donner l'autorisation sur place et en même temps, cela pourrait amener d'autres conséquences que nous-mêmes nous regretterons plus tard. Mais justement, je vous pose cette question. Le militaire qui avait assassiné une femme, il a été jugé par quelle justice? La cour d'appel de Ouaga 2000 précisément au cours des assises de 2015. D'accord. Justement. Ok, ça c'est... Parce que cela était une affaire, il y avait une affaire civile. D'accord. Il y avait une affaire civile. Ok, il n'y a pas de problème, c'est juste peut-être... Franck Aristide, c'est vrai, au-delà de ce que les uns et les autres disent, il y a les pouvoirs du président qui seront revus, comme on l'a dit, parce que beaucoup disent que la Constitution était taillée pour Blaise Compaoré, qui avait tous les pouvoirs sous la 4e République. Donc la 5e République, ça veut dire que Roch n'aura pas tous les pouvoirs. Où iront les pouvoirs de Roch? Certains pouvoirs de Roch. Alors, l'idée, il faut dire que, en tout cas pour ceux qui pensent déjà cela, que c'est un leurre, hein, un chef de l'État, quoi qu'on dise, a toujours tous ses pouvoirs-là. Même si, comme le disait Karama, le président doit déléguer certains pouvoirs, mais il aura forcément et toujours un droit de regard sur tout ce qui s'est fait sur le territoire national, en ce qui concerne évidemment toutes les couches de la société burkinabé, même que ce soit le volet militaire ou même le volet judiciaire. L'indépendance de la justice ne veut pas dire que le président va fermer les yeux sur, en griffe, permettez-moi l'expression, du n'importe quoi. Il aura forcément un droit de regard. Et en cela, le Burkina Faso, comme bien des pays africains, c'est une particularité d'avoir justement une justice militaire qui se penche sur des dossiers militaires. Heureusement, vous l'avez dit, en ce qui concerne le dossier l'assassinat de Bernadette, effectivement, le dossier avait une base civile. Donc c'est la raison pour laquelle justement la Cour d'appel a jugé, en tout cas a traité ce dossier. Mais contrairement à ce dossier, tous les autres dossiers sont reversés dans le volet militaire. Donc la justice militaire a compétence de gérer. Et même à cela, même si on pense que la justice militaire, contrairement à ce que certaines personnes bien entières, en tout cas bien introduites justement dans le domaine judiciaire, pensent, la justice militaire n'est pas une justice en tant que telle. Ça c'est leur opinion, mais je pense que la justice militaire aujourd'hui au Burkina Faso a sa place parce qu'effectivement faut pas qu'on... il y a trop de dossiers qui sont contrôlés par le politique. Donc la justice militaire, pour ma part, a sa place pour gérer ces dossiers justement, parce que le militaire, à l'origine, ne gère pas les dossiers politiques, même si au Burkina Faso, tous les militaires finalement ont été reversés en politique. Mais et c'est justement Franck Aristide, dans le dossier du Putsch, quand on regarde sur quoi les uns les autres sont inculpés, effectivement, on voit coups et blessures ou bien assassinats, mais ce sont des civils qui sont morts. Oui, effectivement, ce sont des civils qui sont morts. Mais quand vous prenez ce dossier de putsch et même de l'insurrection, il y a deux sortes de dossiers. Il y a le volet militaire et puis il y a le volet civil. C'est vrai que c'est le volet civil qui est tout de suite brandi à l'opinion nationale et internationale, mais forcément dans ces différents dossiers, il y a le volet militaire, selon la gravité justement. Il faut remarquer que là, il s'agissait d'un coup d'État, une affaire militaire à laquelle se sont associés des politiques. Donc il va de soi que cela soit traité devant la justice militaire. D'accord. Denis Ungrana, c'est vrai que tout ce qu'on parle là, le plus important, c'est ce qui a amené les uns et les autres à arriver à cette situation de l'article 37. C'est vrai. Nos amis du CNT, en novembre dernier, ils avaient retouché la Constitution, comme on le dit, à minima pour reverrouiller cet article et dire que de toute façon, on peut être éligible une fois, mais une fois qu'on a eu un premier mandat, on
on a eu un deuxième mandat, on ne peut même plus être candidat. Est-ce que vous pensez que pour, quand on va passer à la 5e République, on ne touchera pas à cet article 37, c'est-à-dire il va rester comme le CNT l'avait décidé en novembre dernier? Au risque de revoir une seconde insurrection, je ne le pense pas. Je ne le pense pas du tout, parce que je sais que même sous la transition, beaucoup avaient levé la voix pour interpeller les autorités, pour demander à ce que, justement, ce problème qui a causé l'insurrection populaire soit revu dans l'immédiat. Voilà, beaucoup parlaient de passer à une 5e République depuis la transition, mais les uns et les autres ont trouvé que attendre justement que le processus pour, bien sûr, parvenir à une 5e République, ce processus, ça va prendre un temps. La personne n'en voulait pas mettre la pression, justement, pression qui a conduit le CNT en ce moment à revoir comment, bien sûr, recadrer pour verrouiller à nouveau, donc faire un toilettage de la Constitution pour verrouiller l'article 37. Donc, je ne pense pas du tout qu'avec, justement, ce projet de 5e. Donc, vous ne pensez pas qu'on puisse devenir un mandat de 7 ans, une fois renouvelable, parce qu'actuellement, c'est un mandat de 5 ans, hein, oui, cela est possible, mais permettre à ce qu'on puisse se faire élire indéfinitivement, je pense que ça, ce point-là, ça ne passera pas. Okay. Voilà. Et parlant justement de diminuer les pouvoirs du président, en ce sens que cela aussi est faisable, parce que tantôt on parle hein, de passer aussi au régime parlementaire. Donc du coup, d'aucuns diront que ça fera moitié-moitié pouvoir maintenant entre le président Roch et le président de l'Assemblée, Salifou Diallo. Eh bien, il faut dire que pour le moment, c'est ce qui se dit. Les travaux vont bientôt débuter, on verra les conclusions de ces travaux-là. Mais cela est fait, bien sûr, ça va jouer sur le pouvoir, bien sûr, plein du président Roch Kabore. Ok, parce que ce qui est sûr, on touchera forcément au pouvoir du président, d'autant plus que les uns et les autres disent que le président a trop de pouvoir dans ce pays, carrément. Non, mais je pense que c'est ce qui est dit. Hein. Le président lui-même, il a répété, comme quoi, bon, entre autres objectifs, c'est de revoir un peu le pouvoir omnipotent, peut-être donc du chef de l'État. Donc ça, c'est connu. Et maintenant, c'est l'appellation et autres qui reste justement à définir, mais je pense qu'on va vers justement ce scénario-là. On va vers ce scénario, et de toute façon, c'est eux qui sont aux affaires, donc d'une certaine façon, ils verront également comment faire le partage maintenant, quitte aux autres, d'accompagner le processus ou bien de mettre les niettes. Et je pense que de toute façon, les débats seront ouverts. Hein. Je me dis que les débats seront ouverts, et ensuite également, comme ça sera soumis au peuple, j'espère que ce travail pourra être fait pour que, bon, au moins c'est une constitution qu'on va... En la matière, on ne peut pas faire l'unanimité, ça c'est pratiquement mission impossible, mais que en tout cas la grande majorité puisse se reconnaître à travers justement cette constitution, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Sinon, il y a des petites individualités qui peuvent justement ne pas se retrouver, mais si l'ensemble, pour l'ensemble en tout cas les gens se retrouvent, c'est le plus important. Nous sommes presque au terme de cette émission avec vous, Zongo Ibrahim. Une dernière question. Tout ce qui se passe, est-ce qu'on pourra se dire qu'avec la 5e République, on aura une clarification en matière de séparation des pouvoirs? Parce que c'est le vrai problème. Même si Roch Marc a dit que la séparation des pouvoirs, ce n'est pas la muraille de Chine, mais il faut vraiment une séparation du pouvoir pour que peut-être les uns et les autres puissent se retrouver dans tout ce qu'on fait. C'est ce dont tout un chacun rêve, qu'il y ait vraiment que le pouvoir de chacun soit défini afin que chacun puisse l'exercer pour la bonne marche du pays. Mais il faut dire également que cela ne peut pas se faire brusquement. Et il y aura des points d'achoppement où il va falloir faire appel à des votes. Si je peux utiliser le terme vote, il va falloir choisir un côté. Donc il faut dire que ce ne serait pas du tout facile, mais avec la volonté de chacun, on pourra avoir un Burkina meilleur. Et passer à une 5e République. Même si c'est un avant-projet que les 92 membres de la commission doivent sortir, ensuite ce sont les députés qui vont se saisir sous forme de loi, et ensuite on aura notre référendum. Voilà, référendum. Que je le trouve le mot, hein, parce qu'il y a quelques mois de cela, au Burkina, on ne voulait pas entendre parler de référendum. J'espère que ce référendum, tout le monde sera d'accord. Nous sommes au terme de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Sanglang de Bois sur Burkina Info. Merci à tous.